Dans cette vidéo, on va vous présenter quelques petites sorties du ciseau. Pour sortir du ciseau, il y a trois voies principales. Il y a debout, dessous et la roue. Donc on peut sortir en faisant la roue, on peut sortir en étant debout et on peut sortir en étant dessous. Ça, c'est ce qu'on va décliner, bien sûr, de façon très simple dans la vidéo qui suit. Donc là, la première sortie qu'on va voir, c'est la sortie avec Aou. On va voir dans un premier temps Aou par derrière et après comment on va sortir par devant. Donc là, avec la Jing, on va voir comment sortir par derrière. Donc une fois que le ciseau arrive, on fait la roue en regardant son camarade et on reprend la Jing. Donc maintenant, on va voir la sortie par devant. Par devant, il va falloir que je montre que je sais me protéger d'une cabeçade. Donc il va falloir faire une roue avec une main par terre et l'autre main sur la tête. Je ne vais pas appuyer très fort sur la tête. Donc la Jing. Quand le ciseau va arriver, je vais faire la roue devant, mais avec une main sur la tête. Maintenant, pour les sorties debout, on va juste s'habituer avec un petit pas et on va privilégier le dos. Ensuite, on va y mettre une rotation pour sortir. Donc, Jing. On va voir la sortie avec la rotation. Donc là, il va falloir que je sorte du côté du dos. Donc si le dos est à droite, il va falloir que je sorte avec ma jambe gauche, la jambe qui est la plus loin du dos. Jing. Maintenant, on va voir les sorties dessous. Pour les sorties dessous, il va falloir que je me concentre sur quelques petits points. Quand la personne va faire le ciseau, l'autre personne va tourner son dos pour glisser dessous sans toucher les genoux par terre, comme si c'était une planche. À partir de ce moment-là, la personne qui a donné le ciseau va tout de suite lever son bassin pour laisser le passage, se protéger d'un éventuel coup de pied avec le dos des mains et tout de suite sortir comme s'il donnait une meilleure loi des flinches et tout de suite retomber sur la jingue.